we're walking with it. De la viande hachée, de la viande, de la graisse, de poulet, des pâtes et du lait fermenté, c'est très important. Car le lait classique, il peut avoir le chien peut avoir des problèmes avec le lait classique. Donc le lait fermenté est plus riche en protéines, on va dire, protéines laitières. Pour le temps de boucher, surtout maintenant en été.